Je pars marcher avec le M de Marie sur nos routes de France cet été. J'aimerais partir sur les routes de France avec des amis pour suivre Marie. Avec deux amis. Sûrement fin juillet avec un groupe d'amis. Pendant mon stage, je vais prendre quelques week-ends pour aller marcher sur le M de Marie avec des amis. Pour partager une activité physique avec ses amis. Et puis la marche, c'est pas une activité physique très intense, donc on peut vraiment inviter tous nos amis. Je pense qu'après ce temps de confinement, c'est une super occasion de se réunir et de vivre un temps de fraternité autour de Marie. Pour la bonne ambiance de la semaine entre amis. Pour découvrir les plus beaux paysages de la France. Parce que c'est se mettre à la suite de Marie qui, elle a pris un chemin qui nous conduit vers le Christ. Parce que la marche laisse beaucoup de temps pour soi et pour les autres. Pour pouvoir avoir des discussions peut-être plus profondes, celles qu'on n'a pas forcément le temps de lancer pendant l'année. Pour me faire rouler mollet. Je souhaite que notre témoignage puisse rappeler à tous ceux que nous croiserons la consécration toute particulière de notre pays à Marie. Des moments de partage fort, des moments de prière et une retraite aussi personnelle. Vivre des moments d'amitié, mais aussi un moment de communion avec tous ceux qui participent au pèlerinage, ceux qui ont marché avant moi, ceux qui marcheront après moi. J'attends de ce pèlerinage de pouvoir aller à la rencontre des personnes sur les chemins de France et dans les villages. Alors, quelles que soient tes raisons, rejoins-nous! Toi aussi, rejoins-nous! Toi aussi, rejoins-nous! Toi aussi, rejoins-nous! Rejoins-nous.